Bonsoir à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Je viens de terminer un TP avec les étudiants. Ils ont quelques matériels en classe. Lorsque je fais cours théoriquement, j'aime toujours faire des petites pratiques avec eux, de telle en sorte qu'ils vont mieux maîtriser le cours qu'on a réalisé en salle. J'ai là les oscilloscopes, des alimentations variables, ce qu'on appelle en anglais DC Variable Power Supply. Who want to intervene? Who want to talk to my subscriber? You are unable to talk? Come in front. Where is that guy? This is a DC variable. Yes. This is a breadboard. That is a breadboard. What again? What about what you are holding like that? See, that is a oscilloscope. Show it very well now, so that we can. Oscilloscope. He used to do what? That oscilloscope. He used to do what? The oscilloscope is used to measure the waveform of the electric current. He used to measure the waveform of electric current. You have as well the DC variable power supply. Where is that DC variable power supply? Okay, c'est l'alimentation de laboratoire. Turn it and let you see the front. Okay, and you have as well. Des step-down transformer. Nous avions également les transformateurs. Lorsque nous avions fait le cours sur le pont redresseur de tension, j'ai préféré faire des essais et mesures de telle en sorte qu'ils vont voir la lue du signal, ce qu'on appelle en anglais le waveform. Donc voilà un peu comment ça se passe. Lorsqu'on fait comme ça, l'élève maîtrise plus rapidement ce qu'on a fait pratiquement, comparé à venir dessiner seulement le symbole de la diode au tableau. Par contre, lorsqu'on présente la diode à l'élève et ensuite on présente théoriquement et pratiquement, ils maîtrisent plus. Donc on avait cours en classe, là j'ai pris quelques composants nécessaires pour essayer. J'espère que vous aimez cette façon de faire. Si tel n'est pas le cas, nous apprenons tous auprès des autres. Laissez-moi dans l'espace commentaire à quoi vous pensez. Je pourrais m'en servir pour m'améliorer. Il fait exagérément chaud. Voilà pourquoi je ne porte plus la veste, la blouse et plein d'autres choses. Donc je m'en vais maintenant au bureau, placer, remettre le matériel. Voilà, passez une très belle journée. À plus.